Saviez-vous qu'il existe des fruits anti-inflammatoires? Les inflammations sont très courantes de nos jours et se manifestent à travers des petites gênes intestinales, un foie un peu trop surchargé de travail, ou de la rétention d'eau qui dérive en œdème. Cependant, ces problèmes fréquents peuvent être soulagés à l'aide d'une alimentation adaptée. Il existe des fruits qui sont incroyablement riches en antioxydants et en substances médicinales, qui peuvent nous aider à nous défendre contre les agents infectieux, et qui renforcent notre système immunitaire naturel. Leur forte teneur en eau, en vitamines et en minéraux est un apport basique qui fortifie notre organisme et qui combat toutes les douleurs dont nous pouvons souffrir au quotidien. Dans cet article, nous allons vous expliquer quels sont les meilleurs fruits anti-inflammatoires. 1. L'ananas, le meilleur anti-inflammatoire naturel. L'ananas est l'un des meilleurs fruits anti-inflammatoires que vous puissiez trouver. Son secret est la broméline, une enzyme digestive qui contient du soufre et qui, lorsqu'elle est ingérée, nous aide à avoir une meilleure digestion, et développe dans notre organisme un excellent processus anti-inflammatoire. Cela nous aide, par exemple, à réduire l'accumulation de liquide, ainsi que les inflammations dont nous pouvons souffrir dans nos articulations. Pour décupler l'effet de ces principes actifs, il est fortement recommandé de consommer de l'ananas nature avec l'estomac vide. Si vous vous levez un matin, et que vous vous sentez gonflé, avec une certaine lourdeur dans les jambes ou de la rétention d'eau, vous pouvez consommer quelques rondelles ou un jus naturel d'ananas. En peu de temps, vous allez vous sentir bien mieux. 2. Le citron et ses bioflavonoïdes. Nous vous parlons souvent des bienfaits du citron, et de l'excellente habitude de boire un verre d'eau tiède citronnée chaque matin. Mais, saviez-vous qu'il s'agit de l'un des meilleurs fruits anti-inflammatoires? Cela est dû aux bioflavonoïdes, des substances qui se trouvent notamment dans sa peau, et dans sa partie blanche. Cet élément est parfait pour réduire, par exemple, les ecchymoses, et agit comme un antibiotique naturel dans notre organisme, capable de soulager n'importe quelle inflammation. Gardez à l'esprit que, pour bénéficier de tous les bioflavonoïdes du citron, il est important de consommer sa peau et sa partie blanche. Pour cela, nous vous proposons d'utiliser la fameuse thérapie au citron congelé, dont nous vous avons déjà parlé dans l'un de nos précédents articles. Vous allez adorer. 3. La papaye et la papaïne, son principe actif miracle. Si vous avez la possibilité d'acheter des papayes chez votre primeur ou dans votre supermarché, n'hésitez pas. C'est un excellent fruit anti-inflammatoire, qui peut vous aider à faciliter vos digestions, et qui est idéal si vous vous lancez dans un régime amincissant. La papaïne, cette substance présente dans sa chair, est une enzyme qui s'utilise beaucoup en médecine naturelle pour soulager les douleurs, et pour réduire tout type d'inflammation. Elle est tout simplement merveilleuse. Il vous suffit simplement de manger une demi-papaye par jour pour profiter de toutes ses propriétés. Grâce à elle, vous disposerez d'un bon apport en vitamine C, en fer, en calcium, et en bêta-carotène, l'un des meilleurs antioxydants naturels. N'oubliez pas que la papaye est un fruit très digeste, qui dispose d'une action antiseptique sur les muqueuses digestives. Elle est donc excellente si vous souffrez d'une gastro-entérite ou une colite. Lisez également cet article, les bienfaits de la papaye et de ses graines. 4. Les cerises, anti-inflammatoires idéales contre l'arthrite. Les substances magiques présentes dans les cerises qui nous aident à réduire les inflammations, sont les anthocyanes. Grâce à ce pigment naturel, les cerises ont une belle couleur attrayante. De plus, ces petits fruits estivaux ont un effet anti-inflammatoire naturel bien supérieur à celui de l'aspirine. Selon diverses études, les cerises constituent un traitement parfait pour les personnes qui souffrent d'arthrite. Elles sont également très riches en antioxydants, en vitamine C et en quercétine, une enzyme qui lutte contre l'action des radicaux libres. Souhaitez-vous savoir comment consommer des cerises pour bénéficier de leur effet anti-inflammatoire contre l'arthrite? Pour cela, il vous suffit tout simplement de manger 15 cerises par jour, juste après votre déjeuner par exemple. Lisez aussi, 10 conséquences qu'il y a à boire peu d'eau. 5. Le pouvoir stupéfiant de la peau des pommes. Si vous faites partie des personnes qui incluent une pomme dans leur petit déjeuner, c'est une excellente habitude.
Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas une seule seconde à prendre cette bonne habitude, si saine et si facile. Nous vous avons souvent parlé des bienfaits des pommes pour votre cœur, et pour votre silhouette. Mais saviez-vous qu'elles sont également excellentes pour combattre les inflammations ? Selon une étude publiée par le département d'immunologie et des maladies infectieuses de l'Université d'État du Montana, aux États-Unis, la peau de la pomme contient des enzymes qui nous aident à lutter contre les cellules T, qui sont à l'origine des inflammations. De plus, la pectine contenue dans la peau des pommes nous apporte des minéraux et des vitamines idéaux pour lutter contre tout type d'infection. N'oubliez donc pas de manger une pomme par jour, avec sa peau. Mangez une pomme par jour. La pomme présente tellement de bienfaits qu'il serait dommage de s'en priver. Manger une pomme par jour est une excellente habitude à prendre. Lire plus Let's Block ADS. Why?